Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et bon, est-ce qu'il ne nous restait pas une demi-display, la moitié d'une display à ouvrir? Je pense bien, elle est là devant nous. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à aller voir la première partie, donc la première moitié ici de la display. Et vous avez vu, j'ai une petite carte en main. C'était petite correction par rapport à la première partie. Le Shifu 1000 points holographique, c'était une holo que j'avais déjà eue. Donc je vous avais dit que toutes les cartes que j'avais obtenues, c'était des nouvelles, mais celle-ci, c'était une double. Donc petite correction. Et je vous devais aussi une info. Il y a 24 holographiques dans cette série, donc un nombre assez élevé. Et pour le moment, j'en ai 13 différentes. Donc on va essayer de chercher les autres aussi. Bon, j'ai déjà assez parlé. Ce qu'on veut, c'est ouvrir les boosters. Donc je place la display. Comme ça, vous voyez la pile de boosters qui diminue petit à petit quand on les ouvrira. Mais là, on peut y aller et commencer directement l'ouverture qui nous intéresse. La display. Petit spoiler, même pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, la secrète n'est pas encore tombée. Donc, ça doit être dans cette ouverture. Gringolem, Poulpoff, Morphéoforme Blizzard, Bibichu, Galekit, Énergie Feu. Sentier Blanche Cime, Arrosar, Butte du Dinarbre, Rouleau Perçant, Point Final, et pour rare, c'est le Sépiatros en rare. Ça, j'ai déjà. Il me manque encore des rares, donc, dont le Pharente. Ça fait deux vidéos que j'en parle, mais je ne l'oublie pas. Il me faut cette rare. Allez, hop! Bon, vous allez encore avoir 18 codes ici, donc servez-vous, c'est gratuit. Le Morpheo, Méforme Solaire, Obali, Bibichu, Rocabo, Polichombre, Énergie Psy, la Butte du Dinarbre, encore une fois, Gant Justicier, Énergie Chance, Scarino, Commune Reverse, et derrière, c'est une Full Art. Attention, une Full Art. Et c'est. Le Brazegali V Full Art. Waouh! On commence pas mal du tout. Parce que Full Art, c'est toujours très intéressant. Et il y en a tellement dans cette série que pour pouvoir faire la collection et toutes les avoir, il faut en ouvrir de la display. Hein, franchement. Pour le moment, moi, j'en ai deux à ma disposition. Deux avec celle qu'on est en train d'ouvrir, bien évidemment. Il fallait obligatoirement précommander cette série. C'est un truc de fou comment c'est parti vite. Et là, on a le Brazegali V. Donc, 161e carte de la série. Brazegali V Full Art. Pas mal. Deuxième booster. Et on commence fort. Moi, ça me dit bien. Je pense que si on continue sur les bases du début de vidéo, ça peut être sacrément intéressant. Sucroquin, tout à fait de Galar, Morpheo, non, Coxy, Énergie Acier, Gant Dévastateur, Apia, Énergie Impact, Badaboin en peu comme une reverse, et derrière, c'est le Sucraine en rare. Là, une rare que je n'avais pas encore. Donc, observons un peu plus longtemps l'illustration. Du coup, quatrième booster avec le Articodan Galar pour cette fois. C'est bien, il y a quand même quelques boosters qui s'ouvrent correctement. C'est toujours sympa de pouvoir garder des illustrations dans la collection. Et on a Aspico, Morpheo, Quillfish, Tarsal, Scarino, Énergie Eau, Énergie Impact, Sentier Blanche Cime, Arrosar, Pharente, ben voilà, il est là. Mais en reverse pour commencer, le Pharente, waouh. Regardons ça de plus près, très très belle illustration. Mais bon, je suis peut-être pas très objectif. Vous pouvez me le dire, vous, si vous la trouvez sympathique ou pas. Et ben moi j'aime bien en tout cas. Et derrière, on a... Que demander de mieux? Pas vrai? Franchement, pour moi, un fan de Pharente, je peux pas demander mieux là. Et bien ça, pour moi, booster ultime, franchement,
Très très bien. Merci Pokémon. Vous avez fait ma journée, moi. Est-ce que je dois continuer à ouvrir la display? Ouais. Parce qu'il reste encore des ultra rares à avoir. Donc, il faut y aller. Allez, hop. On continue. Après ce double Pharam, franchement, moi qui le réclamais. Smogo, Polichombre, Rongourmand, Obali, Énergie Obscure, Boule de Cristal Brume, Pivonia, Scobolide, Tocopisco, Holo Reverse. Je pense qu'on l'a eu en holo. Je ne sais plus si c'était dans la première partie ou pas. Et derrière, une carte V avec le Boreas V. Très très bien, très très bien. Magnifique, magnifique. Hop, on met sous protège carte, sous sleeve. Et donc, une V supplémentaire. Ça allonge notre quota. C'est très très bien. Parce qu'il y a déjà eu des displays qui sont passés sur YouTube qui étaient bien moins remplis que ça. Je voulais pas être dans ce cas. En tout cas, Venipat, Blitzy, Ramolos de Galar, Krabagar, Stalgama, Énergie Plante, Scobolide, Gant Dévastateur, Apia, Bastien en peu comme une reverse, et derrière, c'est Sévipère en rare. Bon, par contre, pas beaucoup d'holo dans cette partie. Hein. Pourtant, il y en a encore beaucoup à collectionner. Hein. Franchement, j'en ai encore 11 à avoir pour toutes les avoir dans le classeur. Poulpaf, Watwat, Tarsal, Morpheo, Blitzy, Énergie électrique, Lanterne accueillante, Lapiro, Agatha, c'est Sucroquin en commune reverse, et derrière, c'est... Ah, ben voilà, il suffit de demander, c'est pas compliqué un Pokémon. Vous demandez une carte et vous l'avez, et des fois vous l'avez en double, reverse et rare. Alors Chifourse, point final, donc deuxième forme de Chifourse. Celle-ci, par contre, je peux vous l'assurer, je ne l'avais pas encore obtenue dans des ouvertures précédentes. On continue, c'est le booster Sulfura qui s'est complètement déchiré. Encore un code, encore un 1, 2, 3, 4, 1, 2. On fait souvent la même chose, mais bon. Krabagar, Wistempo, Flambino, Galekid, Stalgama, Énergie Combat, Agatha, Boule de Cristal Brume, Pivonia, c'est Cube Canaille, Rare Reverse, rare que je n'avais pas, donc un peu comme Pharamp, je l'obtiens d'abord en Reverse, mais bon, peut-être qu'il se cache juste derrière, non, c'est une autre, c'est le Mangriff, eh ben, double rare manquante pour mon classeur, donc ça, très bon booster, très très bon booster, même si ce n'est pas d'ultra rare dans ce booster. Quand on complète, c'est toujours intéressant d'en avoir un comme ça. Allez, on continue. Je ne sais pas vraiment dire combien de boosters il me reste. Wishurst, Zébibron, Quillfish, Ramolos de Galar et Aspico derrière. Énergie Feu, Dylan, Galégon, Gant Inifuge, Docteur, peu comme une reverse. Et derrière, c'est le Galam en rare. Ça, déjà vu. Et très très belle illustration au passage. On continue. Ah, un booster qui s'ouvre un peu mieux. Hop. On enchaîne. Il y a pas mal de boosters à ouvrir. Hein. 18 au total. Ça fait un bon paquet. L'Arméléon. Coxy. Rongourmand. Énergie Psy. Gant Inifuge. Lanterne accueillante, Lapiro, Stalgamin qui est une commune reverse, et derrière on a un Pyrax en rare. Bon là, on enchaîne les boosters un peu moins intéressants, et en plus des rares déjà repérés auparavant. Partie creuse de la display. Bon, il faut que ça se réveille maintenant, s'il vous plaît. Wishurst, Sepiatop, Topiqueur, Flambino,
polichombre, énergie acier, candine, but du dinarbre, l'énergie spirale, c'est quartermac en rare reverse, les rares reverse toujours sympathiques, hein, et derrière, shymin holographique, ça double. Je l'avais déjà eu précédemment. Ok, bon. J'ai demandé que ça relève un peu le niveau. Je pensais pas à une holographique, mais bon. Parce que là, on n'est qu'à deux ultras dans la demi-display, dans la deuxième partie. On en avait eu un petit peu plus dans la première. Je ne dis pas combien, bien évidemment. Vivaldin, Cadoiseau, Pyroni, Watt Watt, Scarino, Énergie Plante, Cimetière Ancien. Eh ben, pas vu souvent. J'ai l'impression cette illustration Candine, but du dinarbre. Pivonia, peu commune reverse. C'est une dresseuse, donc c'est peu commune. Et derrière, c'est Loup-Garoc holographique. Oh là là là. Ça devient récurrent. Les holos qui s'enchaînent, mais que j'ai déjà. Ça ne m'intéresse pas trop. Il m'en manque. Pour le moment, je n'arrive à avoir que les mêmes. Bon, du coup, dans la display, 5 boosters plus celui-ci, 6 boosters. 6 boosters pour aller chercher encore combien ? 2-3 ultra rares, ce serait sympa. Au moins 2. Watt Watt, Rocabo, Sucroquin, Loclas, Vivaldin, l'énergie électrique, corne résonante, Narcisse, Kirlia, Lona, toujours peu comme une reverse, et derrière, c'est un Smogogo de Galar en rare. Aïe, 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 aïe. Déjà, je parle de secrète déjà depuis la fin de la première partie. J'ai relancé le truc au début de cette vidéo. Est-ce qu'on va en avoir une? Une display sans secrète, ça fait longtemps que je n'ai plus eu ça, hein, franchement. Venipat, Croquine et Loclas derrière, Zébibron, Galekid, Énergie, Combat, Kirlia, Agatha, Adrian, Crabominable en peu comme une reverse, et derrière, toujours pas. Tocopisco holographique. Oh là là. Là, je commence un petit peu à être dépité. Je vois la fin de la display. J'ai eu qu'une full art. Et en plus, même pas une alternative, qui sont un petit peu plus intéressantes. J'ai ma secrète qui n'arrive pas. Je n'ai pas eu beaucoup de V. Aïe, aïe, aïe. Obali, Krabagar. Bon, faut que ça change dans les derniers boosters, là, parce que sinon, c'est pas terrible. Énergie Impact, Porygon 2, Badabouin, Branette, Ra Reverse, et derrière, non. Galémastac. Et en plus, ça fait très longtemps qu'on n'a plus eu d'ultra rare, hein, là, ici. Purée, tu. Enchaîner autant de boosters avec juste des rares, waouh. Bon, faut pas baisser les bras, parce que tout peut arriver. Ce booster qui veut pas s'ouvrir. Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que ça veut dire que c'est bon signe? Franchement, je l'espère. Croisez les doigts, vous qui regardez cette vidéo. Poulpaf, Morpheo, Bibichu, Galekid, Tarsal, Énergie Psy, Badabouin, Corne Résonante, Narcisse, le Morpheo, et derrière, quand même une ultra. Mais c'est une simple V avec Volcanion V. Ah, ça, quand même intéressante. Une carte que je n'avais pas. Donc ça, c'est très, très, très bien. Eh ben, nombre de V, normalement, avec les deux parties, c'est OK. Mais par contre, il reste que deux displays. Deux boosters, pardon. Il reste que deux boosters. Ça s'annonce compliqué, hein. Il faut vraiment qu'on sorte un très 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 gros truc dans un de ces deux boosters. Parce que là, sinon, c'est pas très très rentable. Vivaldin, vu le prix des displays maintenant, Farfuret, Canartichaud de Galar, Coiffarel, Venipat,
Énergie Acier, Saturnin, Coxyclac, Cimetière Ancien, Saturnin encore en peu comme une reverse, et derrière, Palartichaud de Galard en rare. Ok. Eh ben, c'est le dernier. Après, plus rien du tout. Notre petit display est bien vide. Et donc, c'est notre dernière chance pour avoir une belle carte. Le booster est bien défoncé. Et donc, on va ouvrir ça gentiment. Je retiens mon souffle. Parce que là, si on n'a rien dans ce booster, franchement, c'est un peu scandaleux. Tout à fait de Galard. Morpheo. En plus, on enchaîne les Morpheo. Gringolem. L'énergie. Oh, Cimetière Ancien. Depuis que j'ai dit qu'on ne voyait pas beaucoup cette carte, elle n'arrête pas. Énergie Impact. Porygon 2. C'est Chapotus en peu comme une reverse. Et derrière, mon dieu, Brutapod en rare. Eh ben, je ne sais pas quoi dire. Franchement, je suis dégoûté. C'est pas terrible. Et en plus, la seule full art, c'est une simple comme ça. C'est scandaleux, quoi. Tocopisco, Lugarok, Shaymin, Chifours en holographique. Et pour cette partie, 2V avec Boreas Volcanion et Brazegali Full Art. Voilà, c'est tout ce qu'on a obtenu dans cette vidéo. Donc, la display, pas de secrète. Ça fait toujours plaisir. Merci pour cette jolie display. J'apprécie. Et donc, pour ceux qui sont restés jusque-là, je vous remonte les cartes qu'on a eues dans la première partie. Zeraora V, Sulfurat Galar V, Dunaconda VMAX et Celebi VMAX. Donc, voilà le quota de notre display. 7 ultra rares. Et en full art, je pense qu'on en a eu 4 dans chaque partie. Donc, 8 full art au total. Mais avec ici, 3 doubles. Donc, les full art pas très intéressantes pour cette partie-ci. Bon, il faut qu'on ouvre une autre display parce que là, on peut pas s'arrêter là-dessus. C'est vraiment un échec. J'ai déjà vu des displays avec 2 secrètes et moi, j'en ai même pas une seule. Donc franchement, dégoûté. Voilà. Ben, j'espère que cette ouverture vous a quand même plu. Restez connectés pour voir les ouvertures suivantes. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Le petit pouce bleu pour le soutien parce que là, je suis au fond du trou. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine ouverture. Des bisous à tous, portez-vous bien et surtout, amusez-vous.